How y'all feel out there? Here we go again. Et oui, vous l'entendez, si vous ne connaissez pas la comédie musicale La Légende du Roi. Attends, il va nous faire des bisous, moi je suis pour. Mais il va s'asseoir à côté de moi, j'ai Charlie Boisseau à côté de moi, les filles. Je crois qu'il y en a qui vont t'envier ce soir. C'est surtout, ça. N'hésitez pas à regarder l'émission sur le player radiovl.fr. Fabien, toi, t'es le méchant de l'histoire. Ouais, c'est mêlé ça à voilà. Qu'on resitue un petit peu pour les gens qui peut-être ne regardent pas. Donc, Fabien porte très bien le cuir. Ouais, bon, bah, écoutez, glam c'est rock. Bon à savoir. Voilà. Ouais, mais je suis rock de nature, donc ça me va. Donc, Fabien, bah, on va rester sur Fabien. Alors, Fabien, tu es mêlé à gants, c'est le méchant. Hein. Ouais. Bon, t'as de la chance, tout le monde s'aime ce soir, donc on va t'aimer aussi. C'est un gentil méchant, en fait. Ouais, bah. C'est un méchant de Disney, un petit peu. C'est quand même un vrai méchant, ouais, moi je suis désolée. En tout cas, c'est celui qu'on adore détester. C'est ça, voilà. Exactement. Toi, tu veux te venger d'Arthur parce que tu peux pas, en fait. Voilà, c'est ça. C'est exactement. Ça. T'as pas réussi à soulever l'épée. J'ai pas réussi à extraire l'épée parce qu'elle est dure, alors que les dieux me l'avaient promis. Et donc, je rentre dans une haine folle. Et en plus, je n'ai pas non plus la main de Guenièvre. Alors ça m'était promise. Ah oui, ouais. Bah en même temps, donc en plus, frustré, il veut piquer la main d'Arthur. Un garçon frustré, forcément, il devient méchant, je ne sais pas. Voilà, donc là, ça fait double peine. Ouais. C'est ça. T'as des points communs avec ton personnage, rassure-nous. Des points communs, la détermination, on va dire. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il est bien déterminé. Ouais, il est bien déterminé. Moi, je suis comme ça dans la vie, je suis quelqu'un de déterminé. En plus, tu vas te laisser manipuler par Zao, en plus. Oui. Aussi. Ne sachant pas, ouais. Effectivement. Mais on t'aime bien quand même. Je vais lui donner mon âme. Non, mais en tout cas, c'est un personnage incroyable. Moi, vraiment, je te connaissais pas, je vais tout avouer, je t'ai découvert sur scène. Je t'avais pas vu dans Rising Star, que tu as fait avant, là où on t'a connu aussi. Mm-hmm. Et vraiment, révélation. Ben, j'ai été avec une amie qui m'a dit qu'elle est devenue complètement fan de toi. Hein, donc, voilà. Ça donc, fait plaisir. Non, vraiment incroyable. Je voulais parler de toi, de ton personnage. Okay, allons-y, alors. Bah oui, c'est le moment. Lancelot. Donc tu es Lancelot. Donc toi tu vas essayer de ton rêve c'est d'accéder au Graal. Hein, Mon rêve déjà c'est de devenir chevalier de la Table Ronde. Chevalier de la Table Ronde. C'est d'ailleurs pour ça que j'aurai un Camelot. Et donc sur mon chemin je croise Guenièvre qui est en plein préparatif de son mariage et là c'est le coup de foudre pour tous les deux. Et c'est à partir de là que les ennuis commencent parce que je ne peux pas trahir mon roi parce qu'elle ne peut pas trahir son futur ou présent mari puisque dans le spectacle évidemment elle se marie. Et c'est le début des embrouilles. La vilaine. Bah, le vilain. Enfin, tu as quand même piqué la meuf du roi, tu n'as même pas peur, quoi. Ouais, mais attends, c'est elle qui allait se marier, on est d'accord. Alors déjà, moi j'étais célibe. Ah bah ouais, voilà. Et ensuite, il était sur Tinder, tu sais, genre il a matché Guenièvre. Du cerveau, vous ne le savez pas. On vit avec le chat d'Alexia. Alors, est-ce que vous aimez les animaux? Et si oui, éventuellement, les chats parce que moi, particulièrement les chats. Moi, j'en ai deux. J'adore les chats. T'as deux chats? Ok, donc, je vais vous montrer mon chat. Donc Charlie a deux chats et Fabien, tu adores non, les chats. Non, j'en ai pas, mais j'adore les chats. Ok, eh ben écoutez, c'est magnifique. On va se retrouver avec une animalerie à la baraque, ça va être sympa. Et moi, j'ai une question à la con. Il n'y a plus de papier toilette. Alors, quoi, les mecs? Ah ben, tu prends des magazines à l'ancienne. Il y a The Chanson quand même, ouais. Quand on parle de love. Mais sinon, on va la chanter. Bah ouais. Bah vas-y, chante. Okay. Non, c'est pas celle-là. C'est, ça c'est après. Ah la main, c'est quoi ça? Ah t'inquiète pas, on va la passer après. D'accord, ça, okay. C'est ma sélection musicale, c'est mon iPhone qui est parti tout seul, je suis désolée. On la chante alors? On Charlie, la chante avec moi? Nat King Cole, Love. Regarde, il y a les paroles qui sont juste là, je suis trop forte. Ok. Je, ouais. Est-ce que tu la connais? Mais non, mais je la chante tout seul, sinon tant pis. Mais déjà. Ah. It's for the way you look at me. It's for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. So can I give to you love. It's more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.